Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et mon dieu que ça me fait plaisir de vous faire une vidéo enfin sur un jeu Pokémon parce que mon dieu, sachant que c'est une des licences que j'adore le plus, même si certains peuvent trouver ça encore gamin ou quoi que ce soit, c'est une licence que j'adore, j'en suis fan depuis les premières versions et ça me fait enfin plaisir de pouvoir vous faire une vidéo sur un jeu Pokémon, sur un bon jeu Pokémon parce que je pensais vous faire une vidéo sur Pokémon Tournament. Mais le jeu est vraiment mauvais, je pense que je vous ferai une vidéo dessus, très certainement, mais je ne sais pas quand, donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai même pas dit sur quoi on se retrouve, mais on se retrouve sur Pokémon Let's Go Evoli. J'ai pas pris la version Pikachu pour le moment, je dis bien pour le moment parce que me connaissant, à chaque fois j'achète toutes les versions, donc pour le moment j'ai pris celle d'Evoli parce que celle de Pikachu sera la plus utilisée logiquement. Étant donné que voilà, Pikachu c'est la mascotte, etc, etc. Donc j'ai décidé de prendre Evoli à la place, mais au final ça change pas grand chose si ce n'est certains Pokémon qui sont uniquement dans certaines versions et pas dans l'autre. Je tiens juste à préciser avant de commencer à vous parler du jeu, etc, donner mon avis, mon logiciel de capture, enfin plus particulièrement mon boîtier d'acquisition, a des problèmes d'enregistrement, donc c'est pas dû à la Switch ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon boîtier d'acquisition qui veut plus reconnaître mes consoles, et donc du coup j'ai eu du mal à enregistrer, donc il risque d'y avoir des petites coupures. Je vais essayer de faire au mieux que pendant le montage ça se voit le moins possible, etc, mais voilà, j'espère que ça se verra pas trop. D'abord on va venir sur les nouveautés, c'est par exemple la sensation de facilité par rapport au menu, etc. Comme vous pouvez voir, les menus sont très coloré, très facile d'accès, etc. Donc là vous voyez qu'on a 5 trucs, donc par exemple le sac, donc on a les choses habituelles, on a donc l'équipe, et si vous faites Y sur votre manette Switch, vous atterrissez directement dans la boîte Pokémon. Il n'y a plus de PC, le PC on va dire est virtuel entre guillemets, il est dans votre menu. Alors j'ai eu extrêmement de mal pendant le jeu, actuellement voilà, j'ai beaucoup plus avancé, etc. Je pense même que d'ici que cette vidéo sorte j'aurai terminé le jeu, mais là ce que vous voyez bien sûr c'est comme toutes mes vidéos que je vous fais, c'est vraiment au début du jeu histoire de pas trop vous spoil, etc. Mais j'ai eu extrêmement de mal à ne pas aller au PC dans les centres Pokémon, mais au final on s'habitue et on commence à apprécier ça. Il y a aussi la disponibilité de jouer avec un Pokémon que vous pouvez... Enfin, vous pouvez emmener un Pokémon en balade avec l'accessoire Pokéball Plus que j'ai également. Et du coup, c'est assez pratique, ça fait une sorte de Pokéwalker comme dans Pokémon Argent, etc. Enfin, Pokémon Soul Silver, pardon. Et ça a plusieurs choses, c'est que votre Pokémon va pouvoir se balader avec vous, il va pouvoir également récupérer des objets, etc. Et surtout gagner de l'expérience. Donc c'est plutôt cool parce que par exemple si vous sortez jouer à Pokémon Go, ou tout simplement vous balader, faire les courses, etc. Vous l'emmenez, pas besoin de vous trimballer avec la Switch, vous le mettez dans votre Pokéball Plus et vous le prenez. Et le Pokéball Plus, il a aussi plusieurs utilités, c'est-à-dire que bon, bah, comme vous pouvez voir, il fait une sorte de Tamagotchi avec votre Pokémon. Mais il peut également servir de manette pour le jeu et également je sais plus, ça avait un nom spécial, mais enfin je l'avais acheté en plus, mais enfin le Poké truc plus, je sais plus comment il l'avait appelé, mais en fait il peut servir également d'accessoire pour le jeu Pokémon Go sur téléphone portable. Vous pouvez en fait le connecter dessus pour qu'il puisse vous permettre de voir les Pokéstop, voir et Pokémon aux alentours, etc. Donc la Pokéball Plus est chère, je crois qu'actuellement dans le commerce ça doit être 130€ le pack, enfin aux alentours des 100-130€, je sais plus vraiment, le pack jeu plus Pokéball Plus. Personnellement j'ai payé 60€ via le bon plan de Hamster Joueur sur Twitter, que je vous invite à suivre si vous voulez avoir de bonnes infos sur les jeux vidéo. Donc je l'ai payé 60€, ça me gêne pas trop parce que je trouve que pour 60€ voilà, on a un jeu et un accessoire qui est pas inutile entre guillemets. C'est pas comme le Pokéwalker où le Pokéwalker c'est une sorte de Tamagotchi. Là le Pokéball Plus a vraiment plusieurs façons d'être utilisé, comme je vous ai dit. Donc voilà, là ce que vous voyez maintenant c'est le mode de capture, donc ça c'est un petit peu de mal encore du fait que ça soit Pokémon Go-isé. Je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, j'espère que pour le Pokémon 2019 ça sera pas le cas, mais bon, j'ai eu extrêmement de mal aussi. Et au final ça passe,
C'est un peu chiant parce que j'aimais bien affaiblir le Pokémon, l'endormir pour le capturer, etc. J'aimais bien ce petit challenge, quoi. Là, bah, vous spammez entre guillemets, parce que c'est sûr que si vous spammez à la Pokéball, etc., ça va rien faire. Mais vous spammez avec les Pokéballs, et c'est bon, quoi. Le Pokémon va rentrer au bout d'un moment. C'est un peu dommage, mais ça passe. Ça passe fort, ça passe vraiment, mais ça enlève un peu de charme. Également, vous voyez Mew qui se balade. Alors, je l'ai pas précisé, mais Mew est disponible avec le Pokéball Plus. La première fois que vous le connectez, ils vont vous en parler. Et vous avez donc la possibilité de sortir n'importe lequel de vos Pokémon, en plus de votre Pokémon de votre version. Donc moi c'est Evoli, Evoli sur ma tête, et si je ne dis pas de bêtises, Pikachu est sur l'épaule dans Pokémon Let's Go Pikachu. C'est la seule petite différence par où il est mis. Mais ensuite vos Pokémon, vous pouvez tous les sortir, enfin tous les sortir, un seul peut vous suivre, mais n'importe lequel des 153 Pokémon, puisqu'il n'y en a pas 151 mais 153, je vais revenir un peu là-dessus après, peu importe lequel des 153 Pokémon vous sortez, il sera visible derrière. Donc ça c'est cool, sachant qu'il y a des Pokémon qui vont être des Pokémontures à la manière de Pokémon... je vais y arriver, Alola, mais je sais même plus... Soleil, Lune, voilà, merci. Pokémon Soleil, Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune. Et du coup, les Pokémontures, sauf que cette fois, c'est n'importe lequel de vos Pokémon qui en est capable. C'est-à-dire que, bien sûr, si je veux nager avec Pikachu, c'est pas possible. Il va falloir un Léviator, un Loclass, etc. Enfin voilà. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Il y a des Pokémon qui servent un peu à rien. Par exemple, j'adore Onix, mais Onix est extrêmement lent à se balader. En revanche, par exemple, Arcanin, ou Persian, eux vont pouvoir se permettre d'aller plus vite. Ou Galopa, ou voilà, des Pokémon fait pour la vitesse. Mais ça c'est plutôt cool. Et j'ai lu aussi que parce qu'en fait je voulais voler avec Dracaufeu dans le jeu quand mon Reptincell a évolué. Et j'ai vu que c'était pas possible. Et que c'était après la ligue Pokémon où qu'en fait les Pokémon volants, donc style Ptera, Dracovos, Dracaufeu justement, peuvent voler et ça permet de couper vraiment à travers le jeu. Et c'est vraiment bien et assez sympa parce qu'en gros il n'y a pas de temps de chargement et c'est plutôt cool. Même si ça fait un peu de mal de pu voir les CS, ça c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais les CS n'existent plus, donc Scoop, etc. Enfin, elles existent, mais sous une autre appellation qui s'appelle TS, donc Technique Secrète, qui sont uniquement apprises par Evoli, enfin, pour moi Evoli, et pour ceux qui ont Pikachu, mais uniquement par votre Pokémon Starter. Donc voilà. S'il y a d'autres choses que vous voulez savoir, je ferai une vidéo peut-être plus longue, etc. Mais le jeu est vraiment intéressant à certains points. Ce qui me choque, c'est bien sûr les graphismes. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur des graphismes proches de la réalité, mais ça passe bien avec l'univers Pokémon. C'est extrêmement beau, les cinématiques sont très belles, c'est très joli à jouer. Ça surpasse toutes les versions Pokémon en termes de graphisme. C'est vraiment très beau et... c'est magnifique, je peux pas m'empêcher de screen. Pour vous dire, je peux pas m'empêcher de screen à chaque cinématique, c'est très beau. C'est bien fait, les réactions de Evoli ou Pikachu, si vous avez ces versions-là, sont extrêmement bien faites. Les Pokémon sont vachement bien modélisés, sont peaufinés aux petits oignons, c'est magnifique. Et redécouvrir Kanto, maintenant, c'est vraiment génial et c'est très plaisant à voir. Et Kanto est encore plus beau, quoi, parce que nous, on avait nos souvenirs d'enfance. Et pour nous à l'époque, pour la version rouge, bleu ou jaune, on avait nos souvenirs là. Et nous on trouvait déjà les jeux magnifiques à l'époque. Mais dans nos têtes d'enfants, c'était ça qu'on voyait. C'était ce que vous voyez là, Pokémon, Let's Go, Pikachu et Let's Go Evoli. C'est nous dans notre imagination, on le voyait comme ça quand on y jouait. Maintenant quand on le ressort, c'est sûr, on prend un coup de vieux. Mais dans notre tête quand on y jouait, c'était ça. Et c'est vraiment beau et c'est le jeu est extrêmement magnifique, je le trouve vraiment... top, sans que ça soit un truc enfantin ou quoi que ce soit, c'est vraiment très 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 joli. Il y a des petits trucs que j'ai un peu de mal encore, notamment comme je vous dis avec les boîtes du PC, les captures Pokémon, etc. Je ne sais pas ce que va donner le Pokémon 2019, je ne sais pas s'ils vont se baser là-dessus. Je pense qu'en termes de graphisme, etc., ça va se baser sur Pokémon Let's Go. Pour la capture, pour plein de trucs, j'espère qu'ils vont changer, revenir à des bases qu'on avait depuis quelques temps. J'entends par là, voilà, par exemple les captures que j'aimerais bien revoir comme avant. Il y a pas mal d'autres choses. Et aussi un truc, c'est que vous pouvez jouer à deux, mais c'est comment dire, bah vous allez gagner quoi, parce que c'est du 2 contre 1. Donc sauf si vous avez des Pokémon de merde, mais c'est du 2 contre 1. Et un truc aussi, c'est que le multi-exp, donc il est pas appelé comme ça dans le jeu. Je crois même qu'ils le disent même pas, ils le précisent pas, mais en fait. Sachez que dès le début du jeu,
quand vous battez un Pokémon ou capturez, quand vous battez un adversaire, pardon, ou que vous capturez un Pokémon, vous gagnez de l'expérience. Tous vos Pokémon prennent de l'expérience. Alors tous les Pokémon de votre équipe, pas toutes les tous les Pokémon que vous avez capturés, encore heureux. Mais en gros, si vous avez un roster, enfin si vous avez une équipe bonne, que vous savez que avec elle, à la fin, vous allez battre la Ligue Pokémon, vous la prenez, vous faites le jeu avec. Elle aura quasiment le même niveau, c'est-à-dire que voilà, bon, Evoli prend plus d'expérience, ou slash Pikachu, en tout cas c'est un truc que j'ai remarqué, mais le reste, c'est juste énorme au niveau de l'expérience. Ça rajoute de la facilité d'un certain sens, mais il y a quand même la difficulté de l'époque, c'est-à-dire que quand même les Pokémon sont assez haut niveau, contrairement aux dernières versions que je trouve tout simplement nulles et sans saveur, quoi, c'est fade à battre, mais voilà. Personnellement, mon ressenti sur le jeu, c'est que j'adore. Au niveau des graphismes, rejouer à Kanto, le scénario, les cinématiques, le jeu est extrêmement beau. J'y joue énormément en version salon, j'y joue rarement en version nomade, tout simplement parce que bah, je ne peux pas l'emmener. Quand je sors, je sais que je ne vais pas jouer à la Switch. Donc voilà. Mais pour ce qui est de la version salon, c'est très beau. Le peu que j'ai joué sur la version nomade, c'est très beau également. J'ai un peu de mal avec la manette Pokéball Plus. Enfin, j'ai du mal à y jouer en mode Pokéball Plus. Mais comment dire, l'accessoire Pokéball Plus quand vous sortez, etc., c'est vraiment très pratique. C'est assez sympa. Votre Pokémon peut parler. Il a le même cri que le cri, on va dire, dans le jeu. Bon, après, c'est sûr que je vous invite à mettre Pikachu dedans. Si vous voulez montrer à vos potes, mettez Pikachu dedans. Ça va être plus rigolo parce que Pikachu va vraiment faire le bruit de Pikachu. Si vous mettez Carapuce à la mèche, etc., et que vous comptez montrer à vos amis, bon, bah, ils vont se dire, ok, mais ça peut être n'importe quoi. Mais voilà. Mais personnellement, moi, je sors beaucoup avec des Pokémon que j'ai pas envie d'XP dans le jeu, mais que j'ai envie d'XP en me baladant. Donc je les prends et voilà, ça change pas grand chose. Le petit plus qu'avec le Pokéball Plus, c'est que voilà, ça soit vraiment un accessoire utile pour également Pokémon Go, donc ça c'est cool. Après, pour le reste du jeu, il y a quelques mécaniques que j'ai du mal, mais c'est peut-être le vieux con entre guillemets que je suis qui a un peu du mal encore avec ça. Il y a des trucs que je trouve un peu trop faciles et je pense que le jeu va être sur sa fin, contrairement à avant qu'on avait des post-games, c'est-à-dire par exemple avec Alola, enfin les versions se passant à Alola, on avait des choses à faire après le jeu. Là, je sais qu'il y a le truc avec les maîtres Pokémon, un truc comme ça. Il faut faire les 153 combats avec le Pokémon en question et tout, ça va être utile, mais j'ai pas envie de me faire chier à monter un Roukoul niveau temps pour réussir à battre un Roukoul niveau temps. C'est bien, dans certains sens, ça va rapporter un peu de challenge, mais je pense que tout le monde va pas faire tous les combats parce que c'est très long, quoi. J'ai pas parlé également du système de combat, mais parce qu'il a pas vraiment changé, si ce n'est que les dresseurs, entre guillemets, bougent. Enfin, je remarque qu'ils ont plus d'expressions, etc., avec leur Pokémon. Vous avez également des expressions avec votre Evoli ou votre Pikachu. Mais j'ai pas vraiment parlé de ça parce que ça a pas vraiment changé et ça reste toujours aussi bon au niveau des combats. Que ce soit pour changer les Pokémon, pour leur donner des PC, etc., enfin des PC, des objets et tout. Ça reste toujours très bon et de ce côté-là, il y a pas vraiment de changement, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Et pour revenir un petit peu sur ce que je disais au début, donc 153 Pokémon. Et oui, parce qu'il y a les 151 originaux, donc de Bulbizarre jusqu'à Mewtwo. Et il y a également deux nouveaux Pokémon qui sont en étroite liaison avec Pokémon Go. C'est, alors je vais sûrement les prononcer mal parce que je sais plus leur nom à chaque fois, mais Metan ou Meltan et Melmetan, donc son évolution, qui sont en fait des Pokémon exclusifs à Pokémon Go, entre guillemets, et à Pokémon Let's Go. Alors Melmetal s'obtient... Actuellement sur Pokémon Go, il s'obtient en faisant la quête spéciale, un truc comme ça. Mais si vous avez Pokémon sur Switch, vous allez pouvoir l'emmener, enfin aller au parc Safari, qui en fait sert de parc Safari en connexion avec votre jeu Pokémon Go. N'importe quel compte, vous pouvez connecter autant de comptes que vous voulez Pokémon Go, ça c'est plutôt cool par contre. Mais donc du coup, pour avoir Melmetal, il va falloir y aller là-bas, transférer au moins un Pokémon et vous recevrez ensuite une boîte mystère sur Pokémon Go, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas encore fait. J'ai vu des vidéos parce que je voulais savoir comment on a Melmetal dans Pokémon. Et du coup, en fait, ça va dans Pokémon Go, vous allez avoir un coffre que vous allez devoir ouvrir. Et je crois que c'est pendant une demi-heure, il va y avoir des Melmetal qui vont spawn autour de vous. Donc à vous libre de les capturer, ce que je vous conseille, avec des bananas, histoire qu'il y ait plein d'exp. Et le but, c'est d'avoir 400 bonbons pour avoir Melmetal, donc l'évolution, qui sera lui donc entre guillemets exclusif au Pokémon Switch, parce que la quête spéciale va être
pendant un temps. Je pense qu'il y aura des Meltan qui vont spawn un peu dans Pokémon Go, mais ça sera très rare. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, n'hésitez pas. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire une vidéo dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Assassin's Creed ou sur un autre jeu. En attendant, moi, je vous dis geek et bien. C'était Shadow Nightmare. À la prochaine vidéo.